Les 2 minutes de Nicolas Durand. Eh ben ça fait pas long. 2 minutes, c'est court, mais qu'est-ce que c'est bon. Ah oui, c'est bon ça, c'est bon. Nicolas Durand, ça bouge en politique en ce moment. Oui, Fidel Castro est mort. Et c'est drôle, c'est drôle parce qu'on croyait qu'il était déjà mort, comme Bouteflika ou Charles Aznavour. Mais non, il aura fallu attendre le pic d'épidémie de Castro. Eh bien, avec François Fillon, ça me fait pareil. J'ai l'impression que sa politique est morte avant lui. Avec un mec qui, en 2016, aime plutôt les bagnoles, mais pas trop les PD, on a l'impression que la France va être dirigée par un papa peine à jouir qui passe ses repas à râler en bout de table sur l'IVG et la cause animale, tout en se resservant 3 fois de l'agneau. Et oui, la France est un pays qui se réclame des droits de l'homme, mais qui passe son temps à pousser les limites jusqu'à avoir des hémorroïdes d'intolérance. Après, faut pas s'étonner d'avoir des problèmes de Fillon. Bon, passons sur la caricature de son programme, mais en gros, si t'es un fonctionnaire qui veut se faire avorter, mieux vaut t'exiler. Hein, bravo, le vice-président du Modem, il se masturbait dans un Castro. Fillon, il se frotte à Poutine. Ça va être beau, bravo. Passons la caricature, donc, pour arriver à ce qui m'inquiète le plus quand j'imagine la France sous Fillon. Bah, c'est que le mec est d'un ennui total. Le gars a le charisme du survêtement de Fidel Castro, dernière époque. François Fillon, il est aussi chiant que son département. Pendant 5 ans, la France, ça va être la Sarthe. Hein, on va avoir l'air malin à accueillir Mohamed VI avec un pot de rillettes. Non, Fillon, c'est le chômage technique pour les humoristes. C'est du bromure pour les bouffons. Avec Fillon président, la France bande mou. Son quinquennat va ressembler à une après-midi de jeu télé sur France 3. C'est que grâce à François Fillon, tu évalues le pouvoir de nuisance de Nicolas Sarkozy. Hein, on a déjà eu un mauvais président socialiste par défaut. On enchaîne avec un second tout sauf Sarko, le nain avec un Fouquet, c'est une tante libyenne, il a refilé la ch'touille 10 ans à son pays. Mais réveille-toi, peuple de France. Après le président normal, tu choisis Mister Nobody, t'es allergique au charisme ou quoi? Le mec a moins d'autorité que de sourcils. Non. Fidel Castro avait le cul bas, mais la France n'a rien à faire avec un Fillon. En un mot comme un sang, Fillon. Nicolas Durand est chaque matin sur France Bleu Lorraine. À demain matin, Nicolas. Direction francebleu.fr. Géolocalisez-vous et retrouvez les 2 minutes de Nicolas Durand.